Je vous demander deux minutes de silence, s'il vous plaît. Mais tu peux te taire, s'il te plaît, pas de choix de minutes. Non, simplement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une journée exceptionnelle pour Emmacor. Et vous, entraîneur, joueur, pour vous, c'est, vous risquez de marquer une page de notre club. Alors, ce que je vous demande, c'est de rester tel que vous êtes. Ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez jouer comme vous avez l'habitude. Au fond, à votre butin de jeu, là, je ne sais plus. Au poker. Au poker, hein. Surtout, ne vous prenez pas la tête. De toute façon, je sais qu'à partir de 15h, quand vous allez rentrer sur le terrain, la motivation sera là. Moi, je suis sûr que si vous faites le job comme vous avez l'habitude depuis qu'on a attaqué ces phases finales, ce bouclier, aujourd'hui... Ah, comme nos téléphones à merde. Je ne sais pas l'enlever. Ce bouclier, vous allez nous le ramener, hein, Arkane Vassari. En tout cas, moi, personnellement, je suis confiant. Je suis fier de vous déjà, fier de votre staff, et je suis confiant. Au sujet du maillot, Belsa ne va pas venir vous casser les couilles aujourd'hui d'aller vous nettoyer l'hôpitalie, parce que perdu ou gagné, le maillot, vous le mettrez dans votre sac. On vous l'offre. Par contre, en contrepartie, je vais vous demander une chose, c'est que ce soir, on est attendu à 21h sur le fronton d'Arcagne. Donc quand on va dire on part de Villeneuve, on va partir. D'accord, que j'ai pas besoin de le dire plusieurs fois. Par contre, si c'est moi qui traîne, je compte sur vous pour me ramasser. Bon, j'ai reçu pas mal de messages d'encouragement de certaines personnes, de certains clubs. Je sais que d'ici, dimanche, votre portable va beaucoup sonner. Je préfère anticiper et vous dire bien évidemment que je suis de tout cœur avec vous pour ce dimanche qui sera à coup sûr historique pour votre club. Vous méritez ce bonheur après ces deux années marquées par la tragédie et l'injustice. Mais je suis assez bien placé pour savoir comment Emmacor a su faire preuve de courage et de force pour dépasser tout cela, et surtout beaucoup d'amour et d'amitié. Votre parcours est magnifique et ressemble en tout point à Antion et Yakesh. Mon frère avait fait le choix d'affronter la maladie en disant que les combats n'étaient pas gagnés par les plus forts et les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnaient jamais. C'est ce que vous avez fait, notamment après la demi, où depuis vous n'avez jamais abandonné. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour dimanche. Je serai présent avec Sean. Et j'espère qu'il pourra toucher ce fameux bout de bois avec une pensée pour son Aïta. À dimanche. Au revoir, Emmacor. Bon, pour l'instant, je pense qu'on n'y pense pas trop. On est entre nous, on fait comme si c'était un match normal, je pense. On dit même pour moi. Je pense qu'il y en a qui commencent à y penser, mais pour l'instant, on est tranquille, on n'y pense pas trop. Quoi. Ouais, il nous tarde quand même d'y être, quoi. D'arriver, de rentrer dans les vestiaires, et de s'y mettre, quoi. Si t'as les serveurs, la chatte, tu te fais la gueule, il va prendre. Bon, allez, on va se noyer.
une grosse parfaite. Les gars, j'aurais pu interagir avec elle quand même. Allez. Tout le monde commence à avoir cette boule. Et on a une heure et demie pour l'enlever. On va aller crescendo. On va commencer déjà dans nos têtes à enlever notre négatif. Vous le connaissez tous, votre négatif, les gars. Hein? Chacun, vous avez des choses négatives dans votre tête qu'on doit effacer dès maintenant. On doit rester sur des positifs. Hein? On doit être bon. Bon pendant 80 minutes. Et peut-être voire plus aujourd'hui. La chaleur, j'en ai à foutre. La chaleur, elle est pour nous, comme elle est pour eux. On est encore mieux avec la chaleur, on joue mieux au rugby. Et aujourd'hui, les garçons, on va jouer tous au rugby. Ça, c'est un ballon de rugby. C'est bien compris, on va le jouer, on va aller le chercher ce ballon, on va se l'offrir, on va pas se foutre des passes à n'importe quoi en bas, à la cheville, on va bien se l'offrir, on va se le garder quand il faudra, on fera pas la passe de trop quand il faudra, comme dimanche dernier. Voilà le négatif dimanche dernier, on a voulu faire trop de passes. Aujourd'hui, on se garde les ballons, d'accord? On attend un soutien axial et après on joue et on est patient dans tout ce qu'on va faire. Dans tout ce qu'on va faire, on va être patient. La boule sera sortie, c'est fini. On joue un vrai match de rugby. C'est notre dernier match de rugby, les garçons. Et dimanche prochain, eh bien, on sera à la plage, comme cela, là, aujourd'hui. D'accord? Mais on n'y est pas encore. On a 80 minutes à passer ensemble. 80 minutes de combat. Ce rêve-là, que vous êtes en train de vous réaliser, là, tous ensemble, là, peut-être dans 10-15 ans, maintenant, il va revenir. Dans 10-15 ans, on ne sera plus au rugby. Et peut-être qu'il y a, eh, je vous parle comme ça, il y en a peut-être qui seront plus là aussi. On y pense à tout ça. Hein? Il y a des gens dans ces supporters-là. Hein? Des 70 ans, des 80 ans. Là, il faut qu'ils le vivent. C'est un cadeau du bonheur qu'on doit leur offrir. C'est vous qui allez leur offrir tout ça. On va se le répéter maintes fois tous les dimanches. C'est pour eux qu'on la joue aussi. On a des gars pour qui on joue aussi qui sont là en haut. Mais on joue pour eux aussi. Moi, j'en suis malheureux. J'espère, je pense que tous, vous avez une belle tête, vous avez bien dormi tous hier soir. Vous avez tous bien dormi. Mais moi, j'ai pensé à vous, les gars. Moi, le plus mal, ce qui m'a fait, vendredi soir, je suis venu à 18h à l'entraînement. Je pensais que j'aurais une grosse boule, mais c'est de vous avoir quitté, là, tous en rond, qui m'a fait très très mal, les gars. C'est la dernière fois que j'étais avec vous. Aujourd'hui, je suis avec vous, c'est l'autre jour. Quitter ce stade-là, j'ai passé deux ans inoubliables. Et j'aimerais aujourd'hui, comme à Cyril, et pour moi, et pour d'autres, faire un super cadeau. Faites-nous ce super cadeau, les gars. Hein? Faites-nous-le. Je sais pas, pour certains, on ne le mérite pas, mais pour d'autres, oui, peut-être. Mais pensez que nous, on a envie de finir avec ça. Hein? Ce bouclier, il serait merveilleux. Merveilleux pour tout le monde, pour tout Emaco. Dirigeants, joueurs, supporters. D'accord? Qui se donne tous les dimanches. Ça fait deux ans que vous vous donnez à fond, les gars. On lâche rien aujourd'hui. On lâche rien aujourd'hui. On lâche rien. On va impacter tout. On va tout dévorer sur notre passage aujourd'hui. On nous a jamais fait de cadeau. On nous a jamais fait de cadeau. Et au jour d'aujourd'hui, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est cette victoire. Vous avez tous des qualités. Autant profiter demain ou ce soir. Ça sera terminé. On aura envie de faire la fête ensemble, mais on aura des regrets. Si on passe à côté, on aura des regrets. On dira encore, bah oui, voilà, on a été finaliste. Là, à l'heure actuelle, on n'est que finaliste. Et on retient malheureusement que le champion. Alors pour une fois, dans toute votre vie, vous avez 80 minutes à donner. Seulement 80 minutes. Les dernières 80 minutes à donner. Mais seule la victoire sera belle. Et il y a des joueurs qui sont restés sur le carreau aujourd'hui. Fallait faire un choix. Toute la semaine, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi à cause de ces choix-là à faire. Donc ne trichez pas que pour eux. Il n'y a pas un type qui ne mérite pas sa place là. Donc soyez contents de la jouer. Et une finale, ça se joue d'abord. Et c'est une histoire magnifique qu'on a créée, qui restera belle quoi qu'il arrive. Parce que ce qu'on a fait, on sait que de toute façon, on l'a fait tout seul. Voilà, personne nous a aidé. On est parti de tout en bas et le groupe, on l'a créé. Et on s'est fait tout seul, c'est bien. Et bien, vous voyez les gars, je me dis, voilà, on a tout créé tout seul, on n'a rien à perdre, tout à gagner. Il faut essayer de rester concentré 80 minutes, parce que même si le score est contre nous, vous verrez qu'on a des espèces de forces là qu'on ne soupçonne même pas.
Allez, copain. Allez, j'ai confiance. Profiter. Alors qu'on soit confiant, pas de soucis. Trop confiant, il sera interdit de l'être, les gars. On a une équipe en face, une jolie équipe, qui n'est pas là par hasard, les gars. Alors il est interdit qu'on soit trop confiant. Ce qui est dans les journaux, ça, ça reste dans les journaux. On s'en branle. Nous, on sait ce qu'on a à faire. On aura une belle équipe en face. Il faudra qu'on sorte un très gros match, les gars. Ça, c'est une certitude. On fait mal sur ces tampons, les gars. On fait mal, on est rude, les gars. On en remet dans la gueule, on rentre. Et on reste toujours dans le positif. On rentre pas dans un jeu négatif, les gars. Du combat, mais positif, les gars. Sur ces rugs, on ne se consomme pas inutilement. Les deux dans l'axe, sinon les autres, hommes de base, plutôt gauche, plutôt droit. Et on impacte. On lâche rien. Il a raison, on ne se met pas une pression supplémentaire. Aujourd'hui, c'est un match comme l'autre, c'est un match qu'on doit gagner, c'est tout. On le joue pour le gagner, on ne fait pas de n'importe quoi sur le terrain. La barbe, le général, allez, on marque, on gagne, et en force, on passe. Allez. Et on garde ses ballons en hauteur. On attend les soutiens, on ne jette pas un ballon inutilement. Comme il arrive, Philippe, est-ce que passe de trop, on l'oublie aujourd'hui, hein? Hein? Si on peut jouer debout, on joue debout, sinon on passe au sol un temps de jeu, hein? Allez les petits, vous mettez pas de pression, ils nous reviennent tout en bas, on est bien la troisième série, c'est déjà incroyable d'être là. Vous mettez pas la pression, c'est à eux de l'avoir. Non les petits. Ceux que j'ai pas cités, ils sont assis et les autres devant. Là où tu veux, assis ou devant. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, allez, regardez, c'est bon ça, c'est bon, même temps comme ça pour jouer au rugby. C'est parfait pour jouer au rugby. C'est le moment qu'on le veut, celui-là. Hé les gros, vous savez le combat que nous avons amené aujourd'hui? Celui d'un peuple, hein? C'est celui d'un peuple qu'on va mener, les gars, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez en 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, comptez. Allez, allez, allez. Il y a des choses, je l'ai dit tout à l'heure, on a un quart d'heure où on doit s'appliquer, on doit être à bloc d'entrée, et on doit jouer sans faire de faute pendant 15 minutes. Le match, vous le savez, c'est 80, ils s'accrochent ces types-là. Et nous aussi, on s'accroche. Si on est derrière, on va y retourner comme les ânes. Tout ça, vous savez. Vous savez, mais moi c'est pas ça que j'ai envie de vous dire, hein. Le patron vous met dans la tête, mais vous savez pourquoi on est là. Vous savez pourquoi on est là. Vous avez vu un peuple, on a un maillot, on a un drapeau dessus. D'abord on joue là en tant que masque. C'est en tant que masque qu'on va être fiers de notre pays. C'est pour l'histoire de ce club. C'est pour l'histoire de ce club. 34 ans qu'on attend ça, et on y est nous, on y est. On attend ça dans la famille ici. Ils t'attendent, ils vous regardent, la famille. Et un groupe, les gars, hein. Un groupe qui est né il y a 2 ans, dans la douleur. On parle de 3e série. L'humilité, on sait ce que c'est, nous, hein. Et on va la garder, cette humilité. Nous, les petits de 3e série.
on arrive parce qu'il y a deux ans on s'est promis des trucs. Et on y est les gars. Et on y est. Nos frères, ils nous regardent. Je vous dis, depuis deux ans qu'on est des frères. Des frères, ça gagne le stade. On recule plus maintenant. On est 17. Je pense aussi à ceux qui sont pas dans le groupe aujourd'hui et qui méritent. Les trahissez pas. Les trahissez pas aujourd'hui. Et ces deux étoiles là, ces deux frères qu'on a, on joue pour eux, leur famille, nous avons les messages, ils viennent. On va pas les trahir les gars, on va monter les frères qu'on est. On est les frères, on est les structures, les frères de série, on va monter ce club. Tout en haut, dans les étoiles, avec nos deux copains, ils vous entendent, ils vous regardent là. Ils vous regardent, ils veulent que vous soyez fiers, fiers de ce club. Les gars, ils étaient malades. Ils étaient malades, ils étaient là. Malades, ils étaient là pour vous regarder, vous entraîner, pour vous soutenir. Malades. Alors les gars, vous leur devez. Vous leur devez courage en parler. Vous leur devez courage, non, vous n'avez jamais eu. Je vais montrer, on va montrer qui on est. Nous les petits, on y est les gars. On a gagné notre place, vous méritez d'être là. Ils vous regardent. Ils vous regardent, ils sont fiers déjà. Ils sont fiers, ils vous jugeront pas. Mais ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent, je veux que nous on leur donne, je veux qu'on donne à nos familles, je veux que leur famille sache qu'ils, c'était pour nous, je veux que leur famille, ils nous regardent, se disent bravo les gars, vous les avez aimés comme ils nous ont aimés, c'est ce qu'on va faire, on va leur donner de l'amour les gars, par du combat, par un combat de fou là, hein. Je sais que vous n'aurez pas peur, personne n'est peureux ici. On est des frères les gars, je n'ai jamais autant pensé que l'on est. On est des frères. Projet à guerre m'envoie un message, on joue à 17. On est 17. À 17 on perd pas. À 17 frères on perd pas. Allez les gars. Et aussi les gars, il y a ce parti bien, il y a ce premier c'est impeccable. Il y a aussi notre histoire à nous, à faire, à pas passer à côté. Parce que sinon dans 10 ans on ne se reverra pas les gars. C'est les champions qui seront moyens dans 10 ans, pas les finalistes. Hein. Demandez à Gitane, on s'est mis pendant 3 ans, nous. Mais là c'est fini, on se voit plus, nous, parce qu'on n'a pas été champions. Et puis il y en a deux là, pour qui on veut aussi. Ils font partie du groupe, pour qui les gars. Alors il y a deux façons d'aborder le match, les gars. Il n'y en a pas 50, il y a deux. Soit on arrive avec la trouille au cul, on ne fait rien de bien, soit on assume tout. La première percule pour Willy, le premier bagage pour Giovanni, les premiers deux nettoyages, le 5 de demain. Mimi, comme dans le film, on ne change rien. Promis, dans votre brusseline, il a créé. On ne change rien, les gars. On joue comme on sait jouer. On ne s'invente pas une vie. Et c'est comme ça qu'on le gagnera, ok les poulets. Allez, allez. Ensemble. Allez, on profite. Et ben Vai, 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 vai
On n'est pas en danger si on fait cette ligne forte. Alors on va faire que ça maintenant, d'accord? Viens Mathieu, t'as plus les zones de rug. Viens Mathieu, t'es content, on va sortir le premier sauteur. Les gars, venez. On écoute les gars. Damien, ils ont un bon pied, attention. Les gars, on ne meurt pas sa pluie. C'est pas possible. On a 40 minutes dans ce terrain. On se vide les couilles. On arrête de faire les fautes. On garde un peu plus ce ballon, putain. On garde un peu plus ce ballon, on le fait, bordel de merde. C'est énorme ce qu'on fait, les gars, c'est énorme. Thank you.
gâteau, après je le ramène chez moi. Il y a la photo des mercenaires ou pas après? Allez, viens, je t'en reviens. Allez, tu veux sourire, regarde. À la vie, à la boum. Ah, bim, bam, bam. Premier titre de champion de France pour Arkhang, c'est super quoi. C'est, jamais j'aurais pensé ça il y a deux ans quand je suis arrivé dans ce club en 4e, 3e série. Il y a eu du travail qui a été bien fait et les garçons ont bien travaillé depuis deux ans. Il faut être difficile pour ne pas être heureux aujourd'hui. Hein. C'est le petit, premier titre national qu'on obtient. On attendait ça depuis une finale depuis 34 ans. Le club a été créé en 71. Et puis on faisait partie des rares clubs du comité à n'avoir jamais été champion de France, donc aujourd'hui c'est l'apothéose. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens. Quand je vois tout ce monde, bon, mes joueurs, mes entraîneurs qui ont été cette année formidables. Et puis tout ce monde, ce peuple-là qui est venu d'Arkhang et Vassoussari, ça fait chaud au cœur. On a beaucoup crié. Bon, ben le tout c'est qu'on a gagné. Saison exceptionnelle, on est en mission depuis la défaite contre Ustaritz en demi, énorme désillusion. Et là, c'est vrai que depuis deux mois, on a pris 7 matchs, 7 finales. Un rêve, on a vécu un rêve cet après-midi, on s'est fait peur. On était mené 3-0 et puis je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On n'a pas été exceptionnel, on a été un peu timoré, mais je pense qu'on a fait juste ce qu'il fallait pour gagner. Bah, c'est bien, c'est une équipe de copains. Il n'y en a jamais un qui est tout seul et tout, tout. Ça fait quelques années que je suis capitaine. Et les deux dernières années, c'était moi. Et pour Yakesh et pour Antion, voilà, j'ai toujours parlé dans chaque match, avant chaque match dans les vestiaires. Je voulais qu'on joue pour eux et voilà. Et ben on a fait et je pense que là où ils sont très fiers de nous parce qu'on n'était pas du tout les favoris. Et on était un petit club de 3e série, on se retrouve champion en première série parce qu'on est courageux et qu'on joue pour nos deux frères là et que ça donne une force incroyable. Et c'est l'honneur qui va s'enflammer.
Saint-Chinien. Vous entrez dans l'histoire de notre club. L'amitié que vous avez entre vous est maintenant liée à ce titre et j'espère qu'elle durera longtemps. Pour ma part, je suis fier d'avoir été votre président. Sept copains qui nous ont quittés beaucoup trop tôt et qui m'ont envoyé un texto pour me dire qu'ils avaient attaqué l'apéro depuis un moment. Il s'agit d'Alain Gégou, Pierrot Olagaray, de Poupouch, Benoît Etcheverry, Jojo Darlas, le mari de Josette, André Lafitte, Oliva Titioun, Antoine Mignag et Yaké Chaguer. J'ai oublié, excusez-moi, mais alors, il y a Ben Gassuan, bien entendu, excusez-moi. J'ai une énorme pensée à nos copains qui sont en haut, parce que bon, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais nous, on a joué pour nos copains.
C'est pour eux qu'on a fait tout ce qu'on a fait. On était... On était un petit club de 3ème série qui gagnait pas grand-chose. Et on a croisé la route de deux bonhommes qui nous ont quittés trop tôt. Et nous, on ne voulait pas que ça reste comme ça, comme si rien n'était. Alors on s'est promis des choses, souvent on ne les tient pas, mais nous on les a tenues. On est champion Côte Basque dans des lits. On est champion de France cette année. Bien sûr, il y a une pensée pour le petit Benben aussi, parce qu'il nous a habités aussi. Et il y a que champion, nos frères. Vous pouvez vraiment les applaudir, parce que sans eux, on ne serait pas là. Alors, je suis pas du tout légitime pour vous parler ce soir, parce que... On va dire que je suis vice-capitaine depuis deux matchs. Non, en fait, moi, je voulais remercier pour aujourd'hui, parce que on a eu un peu peur quand on est arrivé au stade, on se serait cru à la Capelle. On s'est dit, où sont les nôtres? Et bah, apparemment, l'apéro était bon. Donc, on a eu très peur quand même. Et puis après, franchement, ça a été une belle journée. Enfin, c'est génial, moi, j'apprécie encore. Donc, merci beaucoup à tous. Voilà, c'était ce que je peux vous dire. Arangoitze, segi, segi, arangoitze! Luna bera da segi, ez ere sobrevivido, a la humilde expresión, enfrenta la adversidad, con afán de ganarse cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Alors nous sommes trois représentants du village d'Arcan. Nous avons créé la Peña Bohemia, qui est certainement la seule Peña et certainement l'association la plus dynamique d'Arcan. Et il était hyper important pour nous de marquer de notre empreinte cette finale. Voilà, on avait envie de marquer le coup, d'offrir ce DVD aux joueurs, au club, pour que ça reste une empreinte indélébile sur toute la vie de ce club des Macors qui le mérite, franchement.